Sadio Mané déjà promis au Real Madrid. Bonjour à tous et bienvenue. L'international sénégalais Sadio Mané serait-il sûr de rejoindre le Real Madrid à l'avenir? À l'occasion d'un entretien, Mohamed Sissoko, ancien joueur de Liverpool et du PSG, a été interrogé sur l'avenir de Mohamed Salah et Sadio Mané. Interrogé sur une éventuelle signature de Salah au Real Madrid, Sissoko a répondu « Non, je vois plus Sadio Mané, parce qu'il a les caractéristiques que Zidane veut, il l'apprécie beaucoup. Je pense que Sadio Mané ira au Real Madrid. » Cependant, Zinedine Zidane aurait changé son fusil d'épaule pour Sadio Mané. Alors qu'il voudrait renforcer son attaque, l'entraîneur du Real Madrid Zidane pourrait se jeter sur Sadio Mané ou Erling Haaland l'été prochain. Le technicien du Real Madrid aurait fait du buteur du Borussia Dortmund sa priorité, tandis que l'international sénégalais serait devenu un plan B. En effet, Luka Jovic, le buteur serbe, ne donne pas entière satisfaction à Zinedine Zidane qui serait en quête d'un nouvel attaquant. Dans cette optique, le Ballon d'Or 98 aurait coché plusieurs noms, et notamment ceux de Sadio Mané et d'Erling Haaland. D'après les informations, Zidane aurait fait de l'international sénégalais sa priorité pour l'été prochain. Mais il semblerait que l'entraîneur français ait changé d'avis. Mané serait une priorité ou une alternative, un tel pronostic paraît tout de même aventureux. S'il est clair qu'un profil comme celui de Mané est coché par le Real Madrid, qui cherche un renfort de haut niveau sur les côtés. Le plan du club madrilène semble bien être de boucler deux arrivées offensives, entre cet été et l'été prochain, un buteur type Harry Kane pisté par de nombreux clubs européens. Harry Kane hésiterait entre la Juventus et le Real Madrid, mais le départ de Zinedine Zidane pourrait vite l'aider à trancher sur son avenir. Un buteur comme Erling Haaland ou même Kylian Mbappé, qui selon les informations ne prolongera pas avec le PSG et on programme son arrivée à Madrid lors de l'été 2021, à un an de la fin de son contrat avec Paris, pour occuper l'aile droite. Dans ce cadre, Sadio Mané apparaît plus comme une alternative de choix à l'attaquant français qu'à un choix numéro 1. Une nouvelle tendance qui devrait réjouir le coach des Reds Jurgen Klopp. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et merci d'avoir regardé, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur Scène, Goleux.